Merci de nous recevoir ici au salon de la mairie du Cap-Haïtien. Je dis, comme ça dit déjà, ça fait 221 années. Depuis qu'on forme, qui était le Catherine Front, qui était coup de drapeau ça. Et était coup de drapeau ça, c'est à partir de gros batailles que les ancêtres ont été faits, qui étaient bonnes nous, nation ça, que la pire là-dedans qu'on y a là. Mais malheureusement, 221 années plus tard, mais qui ça que nous vivons dans le pays d'Haïti. Nous vivons les femmes qui ont violé. Nous vivons les gens qui ont violé. Nous vivons les gens qui ont couru dans le pays. Parce que pas qu'à vivre dans le pays que Dessalines, Christophe, Pétion, Goumen étaient unis pour être dans le pays. Donc nous vivons un moment qui est extrêmement difficile. Malgré la police, bon, peut-être pas rien que vous avez. Pour essayer de reconquérir le territoire, que les ancêtres ont été légués. Mais pour nous reconquérir le territoire, que les ancêtres ont été légués, il y a un travail pour qui fait. Travail pour qui fait, il faut que nous reconnaissions que c'est ça que les ancêtres ont été légués pour nous. C'était nous tous que lui. Ce n'est pas terre, un petit groupe pour nous. Et toute bataille qui a fait dans le pays, ça, qu'on y a là, c'est justement, c'est parce que pendant 30-40 dernières années, il y a des gens qui pensaient. Et c'est au seul qui petit Pétion, Babdi c'est au seul qui petit Dessalines, qui petit Christophe, c'est au seul qui petit des ancêtres pour eux. Et ils ont accaparé l'État, ils ont pris toutes les ressources que l'État a gagnées. Et c'est ça qui fait que nous avons une sécurité dans le pays, ça fait que nous avons une justice dans le pays, ça fait que nous avons une éducation dans le pays, ça fait que nous avons la santé dans le pays, et surtout, c'est ça qui fait petit pays a couru quitter le pays. Je dis là, la pré-assemblée, en bas de la peau noire. Pour nous dire que nous avons reconquis le territoire. Nous avons assuré que tout le monde connaît le territoire, c'est le territoire de tout le monde. C'est le territoire de Sainte-Suzanne, c'est le territoire de Wanamet, c'est le territoire de Monocap, c'est le territoire de Grandance. Et tout petit pays a de trouver un coin côté de vivre en paix. Mais surtout, nous-mêmes qui sommes grands, il faut que nous ayons un territoire côté que si nous avons l'école, ça peut sauter. Si nous avons l'école, ça ne peut pas connaître, il y a une menace qui saute. Et c'est pour ça que je dis à là, nous bien contents, nous toutes là qui réunis. Autorité civile, autorité policière, nous avons aussi une autorité militaire qui est là. Pour nous dire, nous bien contents que nous là ensemble, à Cap-Haïtien, dans la ville Christophe, là, pour nous célébrer 221e année drapeau ça. Et son façon pour nous dire que nous-mêmes, au niveau du conseil présidentiel, ma compagnie là de Régine Abraham et de M. Vertiller Kimoun Nano, nous venons dire. Que l'espoir supposé jaillit dans le pays. En bas de la poussa, on dit l'espoir a jailli et c'est pour ça notre travail. Merci, Angèle.